Écrire, c'est prendre le choix des mots que l'on n'aurait peut-être pas prononcés à l'oral. Mais évidemment, écrire, c'est aussi avoir un impact sur les autres. Et dans cette vidéo, on va surtout voir comment convaincre par ce biais qui est écrit. Il y a différentes techniques pour convaincre quelqu'un à l'écrit, que ce soit par le mail, par le chat ou le SMS. La première technique que je veux partager avec toi, c'est le fait de voyer votre argumentaire comme un impénétrable château fort. Il faut que vous soyez sûr que l'argumentaire que vous avez préparé, ça soit quelque chose de très puissant, d'irréfutable. Que la personne qui, évidemment, a bien moins préparé que vous l'attente de ce message, soit obligée d'être embarquée par ce que vous écrivez. Deuxième point important, le fait de mâcher le travail, de rendre les choses simples pour votre interlocuteur. Plus vous rendez les choses simples, plus vous allez le convaincre. Troisième point, n'utilisez qu'une seule banane, dans le sens où vous allez utiliser qu'un seul sujet pour convaincre à l'écrit et de ne pas débattre de plusieurs sujets. Autre technique, la technique de la fausse liberté, ou autrement dit, le choix illusoire. Vous allez proposer à quelqu'un un sujet et vous allez lui dire sur ce sujet-là, préférais-tu qu'on en parle ensemble ou avec d'autres personnes? Sous-entendu que le sujet est déjà convenu à traiter ensemble. Enfin, on évite absolument les mais lorsque l'on écrit dans un mail. On va chercher à travailler sur des mots de liaison comme en revanche, cependant, toutefois, de façon à faire raisonner, réfléchir et à mettre dans un entonnoir la personne que nous cherchons à convaincre. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.